Yo, bonjour à tous et tous, c'est Chirino Fragier d'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de notre carrière manager avec l'AS Nancy Lorraine en D1 italienne. Je me suis octroyé un petit relooking. Je n'ai plus mes cheveux roses, mais j'ai des cheveux bleus et je me suis mis aux couleurs de l'AS Seidel en rouge et en blanc. Je me suis dit un petit sweat, ça change du costume, un petit pantalon jogging et des baskets, c'est parfait. On est décontracté pour cette nouvelle saison. Nous sommes en Serie A et c'est le début de la saison. Nous sommes le 25 août 2024. Je vais tout de suite vous montrer les transferts de notre équipe. On a eu un mercato assez agité. Nous avons signé Che Adams en agent libre, le joueur de Southampton. C'est un buteur. Nous avons signé Brunori, le joueur préféré de mon dark préféré, à Palermo. Palermo qui était champion l'année dernière, qui sont avec nous en Serie A. Bien joué à eux. Nous avons vendu Prince Mendy pour 1 million au Tigre en Mexique. Nous avons prêté de nouveau notre Pepita Schneider de 18 ans au FC Voluntari. Nous avons pris libre Gelson Martins, le joueur portugais qui évolue à l'AS Monaco, un joueur plutôt rapide et plutôt pas mal. Nous avons vendu Lamine Cissé, la pépite nancéienne, au Young Boys pour 1,7 million. Je l'ai vendu tout simplement parce qu'il avait que 67 de général et qu'il n'y avait pas de possibilité d'augmenter sa valeur. Pareil pour Nangis, c'est impossible d'augmenter son général. Donc j'ai dû m'en séparer pour 2,7 millions. J'ai fait une bonne affaire. Je me suis séparée aussi de Tchèque Touré pour 1,950 millions. Et j'ai acheté le défenseur central italien Magnani qui vient de l'Hellas Vérone pour 4,3 millions. Donc je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble l'équipe. On n'a pas changé les deux latéraux et on a toujours Sourzac dans les cages, je lui fais confiance. C'est surtout l'attaque qui a complètement changé avec Che Adams et Martins. Entre Che Adams et Brunori, je ne sais pas qui sera titulaire. Ils vont en tout cas se battre pour leur place. Et on a le petit Fernandez qui a déjà 65 de général. Un avant-centre qui vient du centre de formation. On va tout de suite jouer contre Parma, mes chers naufragés d'Internet. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien. J'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Écoutez, je trouve que Carnot, il a fait une bonne pré-saison. Donc on va le faire jouer à la place de Camara. La Serie A reprend ses droits. Ce premier match entre ces deux équipes risque d'être vraiment passionnant. Va l'emporter, c'est la grande question. Bonsoir à toutes et à tous. Magnifique cinématique. Bon, dans la cinématique, on se prend un but et je suis déprimé. Donc, on va essayer de jouer au mieux et pourquoi pas de gagner ce premier match de Serie A. Gelson Martins qui la donne à Che Adams. Che Adams qui essaye de faire une talonnade, mais il se foire complètement. Allez, Bourriaud, tu dois te battre pour ta place, toi aussi. C'est pas mal, ça. Donne-la à Gomel. Gomel qui la donne à Bouffal. Et Bouffal. Et le premier but déjà. Parma, la défense de Parma qui est à la rue. Mais regardez, c'était tellement facile. C'était trop facile pour nous. Ça, c'est un de nos maillots extérieurs, mes chers naufragés d'Internet. J'ai évidemment changé les maillots. C'était trop facile. La défense de Parma qui est à la rue totale. On a pu tranquillement combiner dans leur défense. Et le gardien qui reste sur place. Oh, il va encore donner coup franc. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Bourriaud. Ouais, t'es pas très grand, Bourriaud. Il est pas très grand, le Coco Lito, là. J'ai pas pris le bon joueur. Ok, c'est n'importe quoi, on dirait moi. Che Adams. Il est si rapide. Il est si rapide, il est si technique. Nope. Oh, Che. Che. Le Che Guevara. Le Che. Mais utilise ton physique. Tu fais 2m50. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Che Adams, en profondeur. Mais frappe, Che Adams. Il s'est pas frappé, cet abruti. Allez, je le pousse à peine.
J'ai acheté Brunori et ensuite j'ai vu que Tchadam c'était libre. Sinon j'aurais jamais acheté deux buteurs. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Arrête! Magnani qui se jette. C'est super mal défendu. C'est mérité parce que je sais pas défendre et parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions que moi. Aïe, 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 aïe. Mais comment c'est défendu? Comment c'est défendu? Et ça part d'une mauvaise relance de Magnani. Aïe, 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 aïe. Magnani qui fait pas un bon match. Magnani qui est zéro pointé. Mais quoi? D'où il arrive à frapper? Mais quoi? Mais pardon? Mais... La différence est faite. Il est en bonne position. Oh, ça va au fond, but! C'est incroyable. C'est incroyable de se prendre un but comme ça. Mais il y a faute sur moi, Bruti! Mais il y a faute! C'est pas croyable! Tchad Adams, tu dégages. T'es trop nul. Brunori. Jelson Martins. Allez, Brunori! Non, Brunori! Qu'est-ce que tu rates? Mais là, au fond! C'est incroyable! Oui! Oui! Non! Il rate tout devant le but. Mais allez! La circulation du ballon pour déstabiliser... Mais c'est pas possible! Oh non, c'est scandaleux! C'est scandaleux! Mais faut arrêter un petit peu là! Mais c'est quoi cette merde? Sérieux! Sérieux, mais qu'est-ce qu'il fait sur Zach? Mais t'as vu où il est? T'as vu où il est? Ah c'est ça, tu crois que tu veux un nouveau contrat? T'arrives pas à m'arrêter ça? Tu crois que je vais t'augmenter? Tu rêves frérot là, tu rêves. Mais vraiment là, tu dream, dream is my reality. Hein. Franchement, ils ont tout raté devant le but. Tout, on dirait le FC Barcelone. Oh là là. Bon la déroute 3-1. Ça commence fort hein, la Serie A. Surtout que c'était pas un vrai match de Serie A comme ils viennent... De série B. Oui, tu vas le remplacer. Ne me saoule pas, Carnot. Sérieux, ne me saoule pas. Vu ton match, là, essaye de te faire tout petit. On est à domicile, mes chers naufragés d'Internet. On est en rouge. Et on a une équipe éclatée. Et on est parti pour ce match contre Palermo à domicile. Nous sommes au stade Marcel Picot pour affronter cette équipe de Palermo. Brunori qui va... Jouer contre son ancien club. Oui, il vient de Palerme. Tu veux un café, Taillot, peut-être? Un café avec combien de sucre? Brunori contre son ancien club. Dommage. Bruno! Hors-jeu. Je suis pas hors-jeu. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Donne-la à Martins. Martins qui court. Là? Oui, frappe! Ouh, la belle parade sur cette frappe de Brunori. Martins qui fait les corners. Oh oui! Le corps en opposition, c'est pas fini. La volée de Carnot. Ouh, elle est pas passée loin, la volée de Carnot. Dommage, c'était le geste à faire. Ok, on est pas mal. Ok, Martins. Ok. Là, il est seul. Mais non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas lui. Frappe directe! Oui! Le petit piqué! C'est qui? C'est Camara! Camara qui marque! C'est mérité parce que franchement, on passe notre vie dans leur surface. C'est vraiment mérité. Jelson Martins qui fait son petit numéro. Non, en vrai, on a eu énormément de chance. Ils ont perdu le ballon dans la zone dangereuse. Et Camara qui arrive à mettre un petit pointu du bout du pied. Ça fait 1-0. C'est quand même mérité vu le début de match. Ça, c'est la contre-attaque de l'amour. Brunori fait un bon appel. Dommage, il n'a pas réussi à la glisser. Oh là là, oh là là. On est en infériorité numérique. Mais je veux le 5! Et c'est au fond, voilà.
Incroyable. Incroyable. Et le Magnani, là, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. J'arrivais pas à prendre le 5. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable, c'est lui qui... oh là là, ce joueur. Oh, je l'ai payé cher en plus. Si tu la mets bien sur Bouffal. Bouffal qui la donne à Carnot. Carnot qui la donne à Brunori. Non, Brunori qui s'amène pas bien le ballon. Allez, donne-la à Bouffal. Bouffal qui court. Ok. Si t'arrives à lui mettre entre les deux... Oui, il a réussi. Frappe directe. Voilà. Voilà mon Bouffal, on reprend l'avantage. Notre cher Camara qui a bien travaillé sur son côté et qui offre sur un plateau d'argent le but à Bouffal. Il se pose pas de questions. Bouffal, il frappe direct. Et le gardien, il est à bout portant. Il peut pas l'arrêter. Non ! Mais non ! Il n'y a pas faute ! C'est n'importe quoi ! Mais d'où ? Mais il n'y a rien ! Il n'y a rien du tout ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Le jeu qui donne des buts ! Mais je touche pas au travers ! C'est Ghostbuster ! Non mais vous vous foutez de ma gueule ! Mais vous vous foutez de moi ! Mais vous vous foutez de moi ! Allez, va te faire foutre. Allez, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Deux buts ils lui ont donné ! Deux buts ! C'est pas suffisant ! C'est pas suffisant ! Non mais c'est pas possible ! Non mais franchement ! Mais c'est incroyable ! Mais d'où il y a faute ? Mais elle est folle celle-là ! Elle est tarée ! Si, c'est une palermette elle ! C'est pas possible ! Même dans FIFA, on a des arbitres payés maintenant ! Allez, dépêche-toi, Sourzac ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Sourzac ? C'est la victoire cadeau de Palerme. Bravo l'arbitre ! Alors, on va voir nos petits rapports mensuels, mes chers naufragés d'Internet. Lui, il est nul, lui aussi. Oh, lui, il est fort. Oh, c'est un gardien! Ça me plaît que ce soit un gardien. Ok, c'est parfait. Ensuite, on a un petit rapport mensuel ici aussi. Non, là, on n'a rien d'intéressant. Et notre dernier rapport mensuel... Ah, lui, il est super bon aussi. Ok, je pense qu'on a des bons joueurs. Voici notre centre de formation. Lui, il a déjà 57 de général. On va le laisser et lui, on va le promouvoir. On est parti à l'extérieur contre la Lazio. Alors, toi, tu dégages. On va mettre Sorrentino. Sorrentino qui a exactement la même tronche que Camara. Écoutez, ce n'est pas grave. On est parti, mes chers naufragés d'Internet, pour ce match contre la Lazio. Ça va être très compliqué. C'est parti. Nous sommes à l'extérieur contre la Lazio. Alors c'est marqué Latium, mais tout simplement parce que ils n'ont pas les droits d'appeler ça la Lazio. Oh là là, magnifique! Bravo gardien! Notre nouveau gardien qui est en feu. Le mec il a 16 ans, il joue direct contre la Lazio. Et là Sourza qui m'a trop saoulé. Ok. Ok, Martins. Ok, Martins. Oh. Oui, c'est magnifique cette passe. Frappe. Oui. J'ai pas beaucoup parlé. Bouffal qui nous fait un début de saison en feu. Camara qui temporise, qui la donne à Jason Martins. Jason Martins qui la donne à Bouffal. Bouffal, contrôle. Frappe directe. Le gardien qui n'y peut rien. Ça fait 1-0. On arrive bien les débuts de match. On marque beaucoup au début. Et puis ensuite, plus rien. On se prend 1, 2, 3 buts. Et puis au final, je finis par perdre ou faire match nul. Allez. Mais elles arrêtent pas de la récupérer. Mais toi, je veux toi. Non, mais c'est pas possible! Bien joué, gardien. Camara. Frappe directe. Oh oui! Oh non! Dommage, la parade. La parade du gardien. Je sais pas qui est le gardien de la Lazio dans cette carrière. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça, il y a des espaces.
Il y a des espaces. Vas-y, mon bouffale. Frappe croisée. Voilà. C'est volé, mais on s'en fout. Oh, Thomas Bacic, l'ancien Bordelais, qui se retrouve à la Lazio. Bah écoutez, tant mieux pour lui. Magnifique. C'était une contre-attaque de l'éclair. Le but est moche. Bouffal qui nous fait un début de saison incroyable. Sur son pied gauche. Comment t'as fait pour te faire prendre, Delos? Allez, Delos, allez, Delos. Psman, et oui! Mais non! C'est tellement mal défendu! J'ai fait tellement de la merde! Non, pas de remontada! Pas de remontada, on n'en veut pas de votre remontada, là! C'est qui ce joueur en plus? Mais regardez ce que je fais avec le 24! Je lâche complètement le marquage! Ah, c'est Castellanos, je l'aime pas ce joueur! Bouffal! Non! Hors-jeu! Il est pas hors-jeu lui! Mais bien sûr qu'il est hors-jeu! Mais n'y va pas! Pourquoi il y va? Pourquoi il y va? Allez, c'est la fin! C'est la fin d'Erico! Pourquoi il n'y a pas de défense? Non! Mais c'est fini! Non! Non, 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 non! Non, c'est bon! Tu me prends pour qui, frérot? Ok, merci! Pouf, on a gagné notre première victoire, c'était contre la Lazio à l'extérieur, c'était compliqué. Autant dire qu'on a souffert et autant dire que Magnani, il est vraiment pourri. Il est éclaté au sol. Capitano, Busman, je vais changer ça, je vais mettre Gomel. Nous sommes 14e, mes chers naufragés d'internet. Les premiers, c'est Palermo, Fiorentina et la Lazio. Personne n'a encore gagné ces 3 matchs. Pour le prochain match, nous allons jouer Lecce, Roma à l'extérieur et Bologne. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi pour le live à 16h30. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Ali pour vous servir.